qu'on soit seul dans la vie ou accompagné d'intervenants, complète le tableau. Il a fallu, dans les premières interventions, que je lui précise ce que j'attendais d'elle. Il est important justement de dialoguer et de voir ensemble de quelle façon ça lui apporte le plus de satisfaction possible. L'aide, on peut la concrétiser que si vraiment on est ensemble. C'est sûr qu'on peut se considérer un peu comme maîtresse de maison. Elle assure dans tous les domaines, préparation des repas, le ménage, le rangement, les courses, les papiers et tout. Et le soutien moral, qui a aussi une importance dans la relation. J'ai toujours besoin de la même chose, c'est-à-dire une aide technique à la personne, puisque je suis handicapé, une amie, une confidente. Je ne dirais pas qu'elle est irremplaçable, mais c'est difficile de la remplacer.